Thank you.
Seigneur, Dieu trois fois saint, ceux-là qui ne mangent plus à leur faim, que toi-même tu nous nourris, et surtout spirituellement. Parce que nous avons besoin de ta parole et surtout de la nourriture spirituelle, toi-même tu nous accordes en tout temps. Seigneur, Dieu trois fois saint, toi qui es le pasteur de l'Église universelle, nous te présentons l'Église presbytérienne camerounaise. En particulier, Père éternel, nous te présentons pour un Saint-Esprit qui nous atteint ce jour. Que toi-même, Père éternel, tu envoies tes anges et l'Esprit de lumière pour éclairer ce temps. Pour que, Père éternel, tous ces chrétiens qui œuvrent pour ton saint nom soient réellement auprès de toi. Et toi-même, envoie la bénédiction que tu as promis à ceux-là qui te servent et qui t'honorent, à tous ces chrétiens qui, tous les dimanches, tous les jours, te prie en temps favorable. Seigneur Dieu trois fois saint, toi qui connais nos peines, nos souffrances, toi-même Seigneur, tu ne veux pas que tes enfants souffrent. Tu ne peux pas admettre, Père éternel, que nous continuions à vivre dans la souffrance. Toi-même sois donc au milieu de nous, dans nos vies, Seigneur, surtout, remplis nos vies des bonnes choses, parce que les chrétiens sont ceux-là qui doivent partager les bonnes choses. Seigneur Dieu trois fois saint, nous te présenterons les anciens d'église de cette paroisse. Que toi-même, Seigneur, tu sois avec eux, qu'ils soient autour de leur pasteur, dans l'esprit d'humilité. En particulier les diacres qui ont une lourde responsabilité. Que toi-même, Père éternel, tu accordes surtout un esprit d'humilité à celles-là qui ont prêté serment pour te servir dans l'humilité. Père éternel, celles-là qui chantent, que toi-même, tu ouvres leur voix davantage pour pouvoir te rendre grâce en tout temps. Seigneur, toi-même, tu nous connais, que toi-même, tu lis la vie communautaire qui va s'installer entre Qumran et Paris-Nord. Que toi-même, Seigneur, tu envoies ton esprit de grâce pour pouvoir continuer à nous unir spirituellement, pour que nous partageons plus davantage les fruits de ton Esprit Saint. Seigneur, toi-même tu sais de quoi nous avons réellement besoin dans nos vies. Seigneur, accorde donc à chacun d'entre nous de quoi pouvoir avoir pour vivre le nécessaire pour pouvoir continuer à te servir dans la joie et dans la bonne humeur. Seigneur du trois fois saint, sois donc avec nous. Toi-même protège tous les pasteurs et accorde surtout la paix à ce pays, le Cameroun, et que les gens puissent manger à leur faim. Père éternel, toi-même tu sais que nous avons plusieurs demandes à te faire. Mais Seigneur, toi-même tu sais, avant même que nous ouvrions la bouche, de quoi nous manquons, de quoi nous avons réellement besoin. Seigneur Dieu trois fois saint, que toi-même tu nous accordes dans les biens nécessaires et durables que tu as promis à tes chrétiens. Seigneur Dieu trois fois saint, celui-là qui a été choisi par ton Esprit Saint pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle, que toi-même, Père éternel, tu entres en lui, que tu purifies son esprit et que, Père éternel, il puisse aujourd'hui partager avec nous cette nourriture spirituelle que nous attendons et qui nous rend un bien inébranlable. Père Dieu trois fois saint, sois donc au milieu de nous, viens et assiste-nous. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. C'est mon ami le pasteur qui saurait présenter sa suite. Je vais vous présenter un ami, mais surtout un aîné. Les pasteurs grands, les grands pasteurs, même pas qu'on dise qu'ils sont des grands pasteurs. Mais avoir été modérateur plein du synode de Bassa, le grand synode de Bassa, c'est une lourde responsabilité. Cela fait de nous aujourd'hui. Avoir posé sa candidature pour devenir modérateur de l'Assemblée générale, avoir derrière soi, avoir été soutenu par le synode Mounetam, alors qu'on est pas ça, avoir en face un des bons républicains,
avec les moyens que nous savons qui ont été mis en jeu et avoir eu des voix autant qu'on a eu. Alors qu'on a de cet âge, c'est être un grand pasteur. Être pasteur à la fois camerounais et français et militer pour le compte du Christ dans le cadre de l'EPC en France avec tous les défis, les combats, c'est être un grand pasteur. Avoir été major au séminaire de Bibia avec plus de 14 moines, c'est être un grand pasteur. Et le neveu de M. Orbelin, le professeur Orbelin, qui avait posé sa candidature à l'UPC pour être président et qui a été ministre de l'enseignement supérieur, à l'époque et de la recherche scientifique. C'est également le neveu de Mme Christine Lem qui a été présidente du congrès ACF de l'UPC. Et petit-fils du pasteur, de pasteur. C'est tout ce que je connais de lui. Mais il est plus que cela. Il est celui qui a mis Qumran sur la toile avec son site EPC Parima. Je vous présente le pasteur, notre ami et notre partenaire, Jacques. On disparaîtra. Le Cameroun est profondément en retard. Notre église est pratiquement inexistante. On fait ce qu'on peut. C'est pour cette raison que j'ai promis au pasteur que nous allons développer un site qui va permettre que nous rattrapions un peu ceux qui sont avancés. Je vous dis en même temps, merci. Pendant que nous avançons,
Vous voyez, je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné par la trésorière, parce que c'est elle qui est la trésorière de notre communauté à Paris. Elle est ancienne église, l'ancienne église Germaine Massot, que je vais demander de bien vouloir se lever pour que les youyou qui m'ont accompagné l'accompagnent aussi. Paris Nord est visible, même en marchant. Et comme vous voyez que moi je suis moyen, moyen. Mais quand vous marchez, il faut toujours marcher avec, c'est-à-dire se monter les grandes ambitions comme le président l'a dit. En bas, notre Dieu est grand, donc quand vous faites des choses, ayez toujours des ambitions qui vous dépassent. Ce n'est pas ça, c'est pas ce qui se passe là, c'est pas ce programme que je vois là. Parce qu'après, tout le monde ne peut pas être dans les petites causeries. Quand je vais prêcher tout à l'heure, la parole de Dieu, on va prendre le nécessaire pour bien asseoir le chemin. Parce que tout ce que nous faisons, si nous faisons ça, parce que c'est l'orgueil des hommes, on n'ira nulle part. Donc on va prendre dans la Bible tout à l'heure le nécessaire, c'est le kit de voyage pour ce chemin qu'on doit faire. Parce que quand on conduit une voiture, jusqu'à présent les PC étaient en première. Mais il faut que Qumran pousse un peu pour qu'on passe les vitesses. Que le Seigneur bénisse ce qu'il fait en vous et bien. Merci. C'est quand le programme qui s'éteint.
Amen.
bota o bechambalane. Amor. Meia gabeia. Bonjour. Vous voyez, c'est pour les PC dès le départ, c'était le bassin et le boulot. Donc, ce que le pasteur vous disait, voyez-vous, mais bon, est-ce que l'on a dit encore Foulassi, mais je peux le faire aussi à boulot, comme je peux le faire en bassin. C'est pour dire que il faut apprendre à communiquer, parce que là où vous allez, vous ne savez pas. Si je trouve qu'il n'y a que les boulots et les vieilles mamans, comme je vais dire au pasteur maintenant, de dire ce que j'ai dit sur une ou deux choses. Il faut que chaque personne rentre avec une information. Bien, le texte qui vient d'être lu est un texte qui nous situe après la résurrection de notre Seigneur. L'Esprit m'a conduit vers ce texte par rapport à tout ce que nous nous sommes dit. Je voudrais simplement maintenant renforcer, je voudrais renforcer ici ce que nous avons déjà pu échanger entre nous tout à l'heure. Voyez-vous, il est question ici là de 153 poissons. Quand on dit 153 poissons dans un filet, c'est peu ou c'est beaucoup? Parce que quand on fait ici, c'est l'addition. Un poisson, ça fait trois poissons, plus trois poissons, ça fait six poissons, plus, ainsi de suite, jusqu'à 153 poissons. Mais il n'y a pas que les poissons. Il y a aussi, dans le texte, voyez-vous, parce que quand on était à l'école là-bas, bien, mais même aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes veulent dire qu'ils sont des prédicateurs, des orateurs, ils prennent la Bible, ils parlent, ils ne comprennent rien. Mais ils parlent toujours. Ils sont là à la télévision, ils sont à la radio, ils sont sur Internet, ils racontent, ils vomissent. Le texte parle. On fait l'analyse morphologique du texte. Dans ce texte, pendant que le pasteur lisait, vous deviez constater qu'il y a des choses qui reviennent, il y a des mots qui reviennent. Ce n'est pas par hasard. Une phrase française, quand on fait avec le sujet, le verbe, le complément, il y a des choses que les mots disent. Et comme ça, vous avez les poissons. Je parle des poissons parce que quand vous revenez dans ce texte, vous voyez les poissons apparaître à plusieurs reprises. Ce n'est pas pour rien. Ensuite, il y a le filet. Il y a le filet. On parle également. Parce que pour avoir ces poissons-là, il faut un filet. Et pour aller chercher les poissons, là où ils sont, ils ne sont pas partis à pied. Ils sont partis par le moyen d'une barque. Donc la barque aussi a son importance dans ce passage. Et puis il y a les noms qui reviennent. Il y a Jésus, il y a les disciples. On en parle près de 4 fois ou 5 fois. Il y a Jésus lui-même. Et puis il y a l'histoire. L'histoire, c'est que le Seigneur a déjà fini de donner tous ses enseignements, de prouver à ses disciples qu'il est le Fils de Dieu. C'est lui le Fils de Dieu. Il fait des miracles, ils ont vu. Il a dit que je vais ressusciter. Mais c'est quand on doute en eux, il devient même que ne le reconnaissent même pas. Mais il est là. Mais à peine tourne le dos, Simon Pierre, il s'en va encore pêcher. On a bien dit au départ que je t'appelle pour aller à la pêche des hommes. Mais bon, dès que. Bah, on dit souvent que le chat parti, les souris dansent. Bon. Alors, à peine le Seigneur est juste là à côté, monsieur revient à ses anciennes habitudes. Et qu'il s'en va pêcher. Et il ne parle pas seul. Ils étaient sept. Voyez-vous, mais comme il est le chef. C'est le chef de file. C'est le chef de file. Il décide de partir. Comme les autres savent qu'il est toujours le premier. D'ailleurs, il avait été appelé le premier. Et le suivent. Ils sont sept au total. Ils vont passer toute une nuit. Ils n'ont rien. Mais quand le Seigneur s'approche, la situation change. Ça change.
ne va pas à la pêche sans dire. Non. Et quand un élève est en classe, il suit ce que le professeur dit. Parce que si tu ne suis pas, quand je te demande de terminer la phrase, tu ne termines pas. Ça veut dire que tu ne suis pas. On dit ceci. Ils sont partis à la pêche. Le Seigneur est à côté là-bas. Ils s'en vont pêcher. Ils font une nuit. Ils n'ont rien. Mais quand le Seigneur vient vers eux et il leur dit que, allez, il faut jeter à toi, qu'est-ce qui se passe? Ils obtiennent du poisson. Donc, je dis donc que le sujet que vous devez garder est le suivant pour chacun. Ne va pas à la pêche sans Jésus. Ne va pas à la pêche sans Jésus. Sans Jésus. Parce que sinon, c'est échoué. Si tu ne dis pas comme ça, si tu ne regardes pas comme ça, c'est que tu rentres d'ici, tu n'as rien compris. Parce qu'avec Jésus, voyez-vous, je vais passer à quelques explications rapidement sur ce que ces choses-là veulent dire. Voyez-vous, c'était des gros poissons. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir du poisson, mais c'est des gros poissons. Donc, si tu vas à la pêche sans Jésus, tu n'as rien. Mais si tu vas avec le Seigneur, ce ne sont pas les fritures. Ce ne sont pas les fritures. Parce que les fritures, c'est vos petits poissons. Voilà, les jambons. Les jambons. Mais là, c'est des canards, c'est des gros poissons. Bien. Chers amis, puisque nous disons cela, c'est pour dire tout de suite que si vous voulez l'abondance dans votre vie, si vous voulez avoir la vie en abondance, il faut aller avec la vie en abondance. Si vous voulez faire des choses dans l'abondance, c'est avec le Seigneur. Parce que quand il n'est pas là. Mais maintenant, nous commençons à expliquer. Un, l'obéissance. L'obéissance. Il n'y a pas d'église organisée sans obéissance. Vous voyez, depuis le jardin d'Éden, le drame de l'être humain, c'est la désobéissance. Dieu dit, voilà le jardin, il y a tout. Fais tout, mais l'arbre là. Ne touchez pas. Les gens sont les mêmes. On met les mêmes partout. Quand on dit là, ne fais pas ça, ne fais pas. Il ne faut pas transgresser la loi de Dieu. Alors, l'obéissance donc à la parole du Seigneur fait que tout de suite, ce qui te manquait, tu as. Voici ce que le Seigneur dit. Jésus leur dit, j'étais là à droite. Juste là à droite. Et dès qu'ils sont obéissants, le désert. Tout de suite. Il faut être obéi. Il faut être obéissant. J'ai dit que notre église souffre. Parce que nous n'obéissons pas à la loi de Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes portent aussi des soutanes. On est de 700 ou combien là? Sans connaître le grec, l'hébreu, sans connaître, mais on prêche à eux. On prend la Bible comme ça, là, on dit qu'ils sont même plus fondamentalistes que les fondamentalistes eux-mêmes. Même les pécots, même n'arrivent pas à ce niveau-là. Mais ils sont de l'EPC. Nous sommes dans une église où l'intelligence, ça doit passer. Si tu es quelqu'un, comme on dit, assouf, tu ne peux pas être pasteur. Ce n'est pas une église de la médiocrité. Nous inventons aujourd'hui une église de la saleté, de la pourriture. Quand on vient, tout à l'heure, le pasteur parlait de parapala. C'est quoi des parapala? Est-ce que le bon chrétien va aller se réjouir du parapala? Quel est ce message? Même ces gens-là, ils citent aussi.
Même les dépenses, tout ça, il cite le nom de Jésus dans sa bouche, en tournant les... Je ne veux même pas citer des choses comme ça. Après, on va venir, on dit qu'on adore le Seigneur. On se moque de Dieu. L'obéissance aux instructions du pasteur. L'obéissance aux instructions de l'Église. L'obéissance à l'organisation de la discipline. Parce que la discipline, Dieu ne fonctionne pas dans le désordre. Depuis avant, quand on appelait le catéchisme, on parlait de quoi? On dit que le Saint-Esprit, on peut vous ici, a ignoré les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvais actes. Vous croyez que l'Esprit de Dieu va rester là où les gens font qu'ils arrivent, même si tu es habillé, tu es un pasteur, mais que tu ne te laisses pas conduire par la parole, tu n'es pas pasteur, c'est la coquille. Il n'y a rien. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que l'Esprit, pendant qu'on s'agit, l'Esprit s'en va. L'Esprit reste à côté, il attend. Bien. Alors, bon, parlons maintenant proprement dit. Un filet, voyez-vous, c'est quelque chose qu'on construit. Pour avoir un filet, il faut le matériel. Il faut des ficelles. Et il faut, en plus des ficelles, il faut ce qu'on appelle ici le savoir-faire. Parce que s'il ne s'agit pas simplement de faire, mais il faut savoir-faire. Ça veut dire que pour construire un filet, avant d'aller, parce qu'on a besoin, de ça pour ce qu'on a à faire. Donc il faut un matériel de qualité. Et il faut un savoir-faire. Et il faut du temps. Voyez-vous, tout ce qu'on fait dans la précipitation là, ça. J'ai dit souvent que si l'impatience et la précipitation font un enfant, il s'appellera repentir. Voyez-vous? Repentir. Voilà. Pressé, dites là, après c'est le regret, on commence à le dire, on dit vraiment, si j'avais su. On se précipite au séminaire, on se précipite, on veut être ancien d'église, on se précipite pour être diable, ou de même comme la chorale, on se précipite. Précipitation. Il faut du temps. Il faut le savoir-faire. Pas seulement faire, mais le savoir-faire. Bon, maintenant, regardons, on s'en va à la pêche. Même avec l'instruction de Jésus. Mais il nous faut le matériel. Voilà une ambition qui dépasse la taille du pasteur et les autres. Moi, je sais, quand j'étais au début, ma toute première paroisse, je suis arrivé derrière Boulmaka. C'est là-bas qu'on m'avait affecté, pasteur. Je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas de presbytère. Bon, j'ai dit qu'il faut un presbytère. Parce que moi, je ne peux pas. Bon. Je suis jeune. Bon, j'ai besoin d'habiter dans une maison qui correspond aussi à ma jeunesse. On n'a jamais dit que parce que nous sommes à l'église, on ne doit pas avoir les mêmes choses. C'est faux. Je ne sais pas. Le Seigneur, il est esprit. Mais ce qu'il fait est tellement beau qu'on peut seulement dire que Dieu est beau. Donc, moi, en tant que disciple, j'ai décidé que je veux que ce soit beau là où je suis. Je vais donc construire la presbytère. Parce que l'autre était avec le bon apôtre qu'on faisait là et puis on faisait. Je lance une construction de 17 mètres sur 16. En 3 mois, on a tourné. Déjà, quand je lançais cette affaire, on dit, mais le pasteur qui vient d'arriver là, il demande beaucoup d'argent. Oui, il faut les moyens. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il en faut. Mais quand le pasteur parle, les gens ne comprennent pas.
Nous ne voulons pas des projets qui sont des projets d'abris. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, vous venez avec votre petit projet, ça n'intéresse pas. Parce qu'on voit que ça c'est petit, on voit que vous-même vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Le projet. Nous voulons un filet. Nous voulons une église. Parce que lorsque les gens viendront, ils doivent avoir de la place dans le filet. Il faut de la place dans le filet. Mais beaucoup construisent des filets avec des nœuds qui lâchent. Beaucoup de projets de l'église n'ont pas réussi parce que ce que nous voulons utiliser comme moyen de travail n'est pas de qualité. Ce n'est pas de qualité. Quand on veut bâtir un temple comme celui-là, on dit que le pasteur est fou parce que l'architecte sort quelque chose qui est là, c'est couché là, c'est sur le papier. Mais il faut croire en ce que l'on veut faire. Personne d'autre ne peut avoir de l'ambition à votre place. Une église qui n'a pas d'ambition, des pasteurs ou des chrétiens, des anciennes églises qui n'ont pas d'ambition, qui tournent sur place. On dit, faisons ceci. Les doigts sont comme ça, on fait comme ça ne tient même pas. À peine on tourne le dos, ça s'écoule. Il y a combien de personnes dans cette table aujourd'hui? Je vais vous expliquer une petite chose et puis on traverse à la deuxième étape. Vous ne les voyez pas? Vous ne voyez pas les gens qui sont ici? Moi, je les vois. Le peuple de Dieu n'est pas seulement ce peuple visible. Tout à l'heure, vous avez passé avec nos pasteurs à nous entraîner dans une adoration, à chanter des louanges, à appeler le Seigneur. Quand on appelle Dieu, il vient. Il entre, il investit, il prend la place. Et Dieu ne vient jamais seul. Tout à l'heure, le pasteur appelait, il y avait Ariel et tous les autres, mais les anges, ils viennent. L'armée de Dieu est là. Elle est là. Quand on doit travailler pour le Seigneur, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Si quelqu'un vient avec les yeux de la chair, il va voir quelques adultes. Il y a beaucoup d'enfants. Mais c'est là où on envoie les enfants, c'est là que Dieu est. Laissez venir avoir les petits enfants. Là où il y a des enfants, le Seigneur est là. Mais les yeux de la chair ne voient pas. Quand on lance un projet, ne dites pas, ah, le budget, non. Il faut donner. Il faut donner. Si vous voulez du bon matériel, bon, si vous appelez, vous savez le truc qu'on fait pour les attacher, pour les femmes là, pour faire les tests, c'est souvent le petit fil noir, là, parce que c'est ce que nous avons connu depuis. Si tu attaches un paquet avec, le paquet, ça ne va pas tenir. Voyez-vous? Donc, si vous voulez faire l'économie, vous faites l'économie, vous achetez du petit matériel, vous aurez. D'ailleurs, les musiciens qui sont là, ils comprennent ce que j'ai dit. Quand vous n'avez pas le matériel de qualité. Donc, ne considérez jamais que vous êtes petit. Personne n'est petit devant Dieu. Dieu nous voit tous, nous tous sommes des grandes personnes. Mais c'est nous-mêmes qui décidons de comment nous voulons nous présenter à Dieu. Achetez le vrai matériel pour la construction de l'église. Achetez le bon matériel pour la fondation de Qumran. Il faut du bon matériel. Maintenant,
Je voudrais vous parler des poissons. Vous savez, bon, à moins qu'il y ait un bébé, c'est du nouveau né. Chacun d'entre eux a déjà goûté au poisson. Qui n'a pas mangé du poisson ici, les Nevois? Bon, donc on connaît le goût du poisson. Dans le filet, les poissons qui étaient dans le filet, on a dit qu'ils étaient gros. Et on ne nous a pas dit comment le filet était construit. Mais c'est tellement que les espaces entre dans la construction du filet ne devaient pas permettre que des petits poissons puissent rester là dedans. Parce que sinon, il y en aurait eu. Bon, maintenant, quel est le genre de poisson qu'on avait dedans? On ne nous dit pas. Mais on peut quand même soupçonner. Si on commence, les poissons qu'on connaît, moi je connais ce que je connais. Je connais les bars, je connais le maquereau, parce que moi je mange du maquereau. Je connais les mâchoireaux, je connais les carpes. Bon, et il y a d'autres. Mais le filet n'a pas cédé. Dans une communauté, il y a toutes catégories de personnes. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux. Une véritable église ne se déchire pas. Elle ne se déchire pas, quel que soit. Il y a des poids lourds, il y a des poids légers et tout ça. Mais tout ça, ça forme une seule entité devant le Seigneur. Même si là-dedans, vous voyez le mâchoiron qui a une épine dure. Ça peut piquer le poisson barre. Mais le poisson barre va sentir mal. C'est pour dire que on ne peut pas être ensemble sans qu'il y ait des blessures. Dans une communauté, il y a des blessures. Le jour qu'on vient au culte, tu vois la personne arriver que souvent vous riez, mais maintenant il ne rit pas ce matin-là. Ça veut dire qu'elle a quelque chose dans le cœur. Ça ne va pas. Mais ça peut être la fin. Parce que l'Église ne doit pas mourir pour les humeurs des uns et des autres. Quand on dit de ne pas aller à la pêche sans Jésus, en observant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Jésus, la communauté ne peut pas, elle ne peut pas se diviser. Si nous travaillons véritablement les uns et les autres, que nous sommes avec le Seigneur, ça ne peut pas ne pas marcher. Si nous voulons vraiment avoir une abondance dans ce que nous faisons, en travaillant les uns et les autres, chacun avec Jésus, nous réussirons ce que nous avons projeté. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là, parce que tout en rendant, je dis merci au Seigneur. Parce qu'avec les voyages, la fatigue et tout le reste me permettent de communiquer avec vous et de partager ce que nous avons eu dans ce texte. C'est dire ceci. Va au travail, mais va avec le Seigneur Jésus. Si tu veux chanter, chante avec Jésus. Si tu veux danser, danse avec Jésus. Nous voulons dire que nous pouvons faire tout. Nous pouvons réussir tout. Sans souiller, comme le pasteur dit, on n'a pas besoin de souiller notre église. Nous pouvons faire des grandes choses, mais si nous voulons les réussir, allons avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse ce partage que nous avons eu ce jour. Amen. Elle s'est adressée à nous. Donc que nous puissions recevoir ce breuvage et cet aliment spirituel comme nourriture de notre âme. Accorde-nous de grandir et de croître selon cette logique, cette parole, cette vérité. À ton fils qui vient de loin, accorde-lui que la bénédiction que nous partageons avec toi en ce lieu puisse lui être accordé en partage.
selon sa consécration à toi, selon sa mission et selon ses défis. Ainsi, Dieu Seigneur, nous avons reçu le charisme de la guérison. Que la grâce de la guérison nous touche dans tous les domaines de sa vie. En ce lieu, Seigneur, nous avons reçu la clarté, la clairvoyance de ton esprit de prophétie et de prédiction. En tant que serviteur et appelé par toi, il est prophète. Accorde-lui, Seigneur, dans la mission qui est sienne, que l'esprit de toi en lui soit chaque jour beaucoup plus aiguisé. En ce lieu, Seigneur, nous avons reçu de toi l'abondance et la bénédiction sur tous les domaines de la foi et de nos vies. Que cela lui soit également accordé, afin que lorsqu'il s'en ira de nous, il puisse arriver à bon port à Paris, lui et sa suite, son ancienne église, donc la session de Paris. Accorde, Seigneur, que ce que le Cameroun aurait souhaité contre lui, parce que généralement, lorsque nous nous rendons chez nous, au nom de la jalousie, souvent c'est de mauvaises pensées, et inspire contre nous les ondes négatives, que rien de cela ne touche et ne l'affecte. Mais qu'il quitte de notre paroisse, étant rechargé, étant plein et étant béni, lui, la servante du Seigneur qui a intercédé pour le peuple de Dieu. À cet homme juste, que la récompense digne des hommes justes lui soit accordée. À ce prophète, que la récompense digne au prophète lui soit accordée. À cet homme de paix, que la paix soit avec lui. Amen. Amen. Le dernier.
Pour le savoir-faire nécessaire, afin que dans cette marche avec lui, nous soyons positifs dans la construction de ton Église. Bénis-nous, nous sommes tes enfants. Permets-nous d'être ces serviteurs-là dans l'humilité qui chanteront avec la chorale céleste. Après un travail fourni. Moïse, Moïse. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous maintenant et à jamais. Allez en paix dans la joie du Seigneur. Amen. Amen.